Bonsoir à tous, c'est Aplixo, on se retrouve sur Rimworld. Donc on est actuellement juste à la suite de l'épisode 3. Donc ne vous en faites pas si je prends pas en compte ce que vous avez dit dans les commentaires de l'épisode 3. Ça va venir. Ça va venir. Donc, pour la suite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met de la lumière. C'est là. On va mettre une lumière ici, une là. Ah, oui c'est vrai, on a toujours cette infection, j'avais oublié, ça fait 30 secondes mais j'ai oublié. Tu vas le traiter, comme ça ce sera fait. Hop, donc le lampadaire ici, 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 et un dans chaque coin. Parce que ça peut toujours être sympa. Ensuite, énergie, câble, hop, hop, hop. Je pense qu'il peut prendre le courant dans les portes, mais je suis pas sûr. De toute façon, il faut qu'on amène le courant jusque là, donc autant que ce soit fait. Alors, vous me l'avez dit, les murs comptent et tout, il faut que je le remplace. Je vais le faire. Alors, Mine a fait une sculpture. Une bonne. J'installe. Je vais mettre ça dans la pièce des prisonniers, tout simplement. Pour améliorer ça. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter de se plaindre un jour, peut-être. Paimat, une infection. Bras droit et torse. Je croyais qu'il y avait que torse, mais bon, ça c'est pas grave. Tout se passe bien, sinon hein, les gens vont bien. À part Adrien qui a perdu un majeur, le majeur, mais c'est pas grave. Ça va venir. C'est les dures lois de Rimworld. Les dures lois de Rimworld, vous savez. Pourquoi est-ce qu'il est pas déplacé, lui? Je l'avais pas mis. Je l'avais pas mis. Animal fou. Je vais prendre ça comme un... Plus de... Oh! Fuis, Adrien, fuis! Oui, mais fuis pas par là, en fait. En transversal, on va tenter de fuir. Ah, oh. Oh, joli les gars, joli. Dernier coup, joli. Il a réussi à lui faire quoi? Juste une petite griffure, ça va, c'est rien de grave. Faut que je déplace ça ici. Dépecer les créatures, en boucle, et on démolit ça. Ah, et on n'a pas d'énergie. Franchement, j'ai fait ça, mais... Ces arbres sont vraiment géants alors qu'ils sont, ils viennent d'être plantés. C'est assez perturbant. Voilà. On devrait avoir assez de bois. Normalement. Je vais commencer à rénover la route un petit peu peut-être. Je sais pas. Ouais, je vais peut-être commencer à faire ça. Mine, tu serais pas noctambule par hasard? Si, noctambule, donc tu préfères la nuit. Bien. On va faire ça. Mine. Non. Temps libre partout. Et tu dors de 9h à 17h. Allez, on va dire ça. Je crois que c'est à peu près le bon. Parce que là, elle va avoir un debuff sinon. Elle va avoir un debuff. Et nous, on veut pas de debuff. Je voudrais avoir de l'énergie dans ma base, s'il vous plaît. Par contre, on a vraiment pas beaucoup de trucs. Alors, j'ai pensé à un truc. C'est que si les gens ne dépassent pas ça ici, il va pas faire les trucs. Il va pas les prendre. Donc, je vais prendre les plantations avec, même si c'est un peu plus long. Je vais les prendre quand même. Risque de démence majeure. Ça va aller, ça va aller. D'ailleurs, est-ce que tu peux juste... Maladie grave.
Ok, tu vas t'en occuper, genre, tout de suite. Ok, non, mais immunité développée. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, Tiger. C'est bon, rien à dire, en fait. Tu te débrouilles. Bon, j'ai pas en construction. Voilà. J'ai passé Paimata 2 parce que sinon on va pas avancer. Tu fais quoi là? Relaxation sociale. Alors le social en général c'est quand on est deux. Moi je dis ça juste comme ça. Hein. Tiger est victime d'une intoxication alimentaire. Oui bon ça bah, c'est habituel. C'est habituel. L'intoxication alimentaire, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais visiblement ils ont doublé les chances que ça arrive. Hein. Wow, mon perso est juste. Enfin, mes persos sont juste débiles en cuisine. C'est aussi possible. C'est un fait. C'est possible. Alors, je vais mettre une batterie. Parce que j'en ai marre que dès que mes générateurs s'arrêtent, il n'y a plus rien qui marche. Alors. Sculpture en bois. Bon. C'est du. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ok. Ah oui, d'accord, à travers le mur, comme ça. Non, mais ok. Non, mais ok. On a plus de métal, c'est ça? Ah si, on en a encore plein. Ah, il a échoué les constructions. Bon, il débute. On va dire qu'il débute. Et voilà! On n'a pas assez d'énergie, c'est pas grave. Ah, donc il a planté pas mal d'arbres hein, quand même. Pile, pourquoi est-ce que tu t'endors dans le... Vous savez quoi? Je vais arrêter de poser des questions. Je vais arrêter de lui poser des questions. C'est pas grave. Moi je trouve qu'il pousse super vite ces arbres. Hein. Il plante la graine, c'est... Il y a un truc qui pousse, hein, c'est... Direct, c'est ok. Et oui, j'arrivais pas à faire le bruit un bruit avec ma bouche. Oui, j'avoue. c'est pas mal. Ça s'occupe. Franchement, elle fait des super sculptures. Faut le dire. Faut au moins lui donner ça. Fleox, tu peux. Tu t'as quoi comme aptitude? 5. Prends le pistolet. D'ailleurs. Il n'y a plus que Adrien qui n'a pas de pistolet. Faut aussi que je pense à faire des tombes. Il n'y avait pas des cadavres là? Non. Alors, faire des tombe, plus de tombes, parce qu'on va tuer plein de gens, donc autant faire des tombes à l'avance. Hein. Nope. Nope. Bon, on va faire des tombes à l'avance. Hein. Bon, Fleox est juste victime d'une intoxication alimentaire. Encore. Est-ce que ça charge? Oui, ça charge. Légèrement, ça charge légèrement. Non mais... Il n'y a pas de petit profit, hein. Par contre, est-ce que tu peux juste me construire ça? En fait, je sais que c'est plus important de faire pousser les trucs, mais c'est plus joli aussi comme ça. Ça a été rapide. Oh, bah ça me va, hein. Quelqu'un peut... Base de micro... Ça y est, on peut passer sur les mitrailleuses. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est Fleox qui s'en occupe, donc c'est parfait. Tiger, arrête de manger ta bouffe. Arrête. Juste le fais plus. Mange plus, c'est pas la peine. Je sais que tu cons... Je... On sait que tu cuisines mal, mais quand même là.
Sa cuisine est quand même à 5, faut pas déconner. On a des intoxications alimentaires toutes les 2 minutes. Alors qu'il est à 5 en cuisine. C'est pas horrible 5. Ah, c'est elle qui fait du bruit comme ça, d'accord. Et une autre sculpture bonne. Bon, les couloirs sont dégueulasses. Ok, faut le dire, hein, mais... C'est pas si horrible. Regardez, on est que à moins 3. Ici, on a 0,1. J'avais pas dit que je devais installer une sculpture dans les... Dans les pièces... Oh, excellent. Bon, bah, comme ça sera fait. J'avais pas dit que je devais le faire. Je sais pas, je... Peut-être que je l'ai dit dans ma tête et que je l'ai pas fait. C'est quelque chose d'assez courant chez moi. Vous en faites pas, c'est normal. Un truc qu'elle pourrait faire autre. Auquel je viens de penser tout bêtement, là. Hein. Bon, elle est à zéro... Elle est à zéro en tissage et autres. Mais est-ce que lui il est bon en artisanat? Il est à 6 en artisanat. Ce serait pas mal. Mais en fait c'est un peu un jack of all trades. Il peut tout faire. Enfin elle. Elle peut tout faire. Après elle a le droit de se considérer comme étant un mec. Je m'en fous. Mais faut... Ah, faudrait que j'arrive à la recruter. 45, hein. Eh, mais pourquoi il n'y a aucune interaction avec... Pourquoi ça a changé, ça? Je suis pas fou, je l'avais fait dans le deuxième épisode. Je suis pas fou. Enfin, pas complètement. Juste un petit peu. Non? J'ai oublié de le faire? La nourriture se fait rare. Que 19 rations. Bon, ok, on va augmenter le nombre de rations. Allez. On va monter ça à 25. Alors, Pai, tu vas me détester pour ce que je vais te demander. Mais est-ce que tu peux... nettoyer les chambres? Parce que là, ça devient horrible. Je sais que tu détestes que c'est pas une bonne chose que je te demande ça, mais... J'ai complètement oublié de renommer mine. Faut que je trouve un nom. Bah, le prochain épisode, je renommerai deux personnes au lieu de... Voilà. Parce que je pense qu'on arrivera à avoir Elina avec nous cet épisode. Accessoirement, je viens de penser à un truc. Très con, mais important quand même. Planifier. Non, pas ici. Planifier un truc assez important, hein, qui s'appelle un hôpital. Risque de démence majeure, Féox, qu'est-ce qui t'arrive? Wow, 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 wow. Stop, stop, calmez-vous. Il s'est passé quoi là? Donc, la nourriture se fait rare. Les colons ont besoin de lit. Normal, on est 7 maintenant. 6, je sais plus compter. Risque de démence mineure. Vêtements en lambeaux. Nudité malheureuse. Bon, c'est pas grave. Nouvelle recrue. Donc, on a recruté Irina. Bienvenue à toi. Donc, je vais tout de suite te dire que tu fais ça en premier, ça en premier. Ça, tu serais le backup. Tu passes en backup. Allez. Dressage, tu peux le faire. Tu peux le faire. Cuisine. En espérant que tu sois meilleur que lui. Voilà, donc là en 1. Ça, tout ça en 2. L'artisanat en... Non, artisanat en 2. Ça en 3. Couture en 2. Et ça en 4. Et ça en 4. Ça, c'est vraiment au pire des cas. Normalement, on a d'autres gens pour le faire.
Ah, moi, je valide. Ce personnage, je pense qu'il peut m'être utile. Bon, par contre, au niveau capacité corps à corps, enfin, capacité de combat... Ah, Noctambule! Noctambule, il va falloir que je lui fasse un truc spécifique aussi. Donc, dormir ici, et temps libre autre part. Alors, il y avait une technique à l'époque que j'utilisais, c'était de mettre temps libre partout. Comme ça, ils dormaient quand ils veulent. Sauf que ça marche pas très bien avec les Noctambules. Ça marche pas très bien avec les Noctambules, ils savent pas quand ils veulent dormir. En fait, ils arrêtent de dormir quand ils arrêtent de dormir. Alors... Tailleur. Donc on va faire des t-shirts. Jusqu'à en avoir au moins deux en réserve. J'ai pas fini. Des pantalons. Jusqu'à en avoir au moins deux en réserve. J'ai toujours pas fini. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Oh, des chapeaux, des trucs comme ça. Non, non, ça, ça va pas besoin. Par contre, il va falloir que je plante du coton, du coup. Plan de... coton. Bon, Fleox, tu dois avoir la chambre la plus belle de cette colonie. Avec 0,3. C'est vraiment pas top, hein. Faut que je change les murs. Faut que je change les murs. Les murs, de bois, ils font combien? Je crois qu'ils rentrent pas en compte, les murs de bois. Les murs de bois ne rentrent pas en compte, donc... C'est mieux que rien, on va dire. S'ils rentrent pas en compte, c'est déjà ça. Je fais rentrer un câble ici. Et mettre un lampadaire ici. Ça va faire un petit peu plus de trucs, ça va être plus joli, on va dire. Pas donc tu t'occupes de ça, parfait. Tu pries, ok, je respecte que tu pries, je respecte. Est-ce que tu peux juste nettoyer tout ça? Je vais le faire nettoyer les chambres parce que c'est une catastrophe les chambres. Hein. Je viens à peine de mettre cette batterie en place, elle est déjà en panne. Je sais pas pourquoi je pouvais pas lui dire de nettoyer. Ok. Tu peux nettoyer le sang de ta pote au fait. Voilà, donc là normalement les chambres devraient être vachement plus belles. Pourquoi il y a du... Bon, ici c'est beau. Voilà, ici c'est beau. Là, il y a des trucs, c'est pas beau, je sais pas pourquoi. Ah, mauvais bouton. Ah, il y a de la boue par terre, d'accord, tout s'explique. Donc ça fait plus 3, donc c'est énorme. Plus 3 pour rien, pour pas de ressources en fait. Ah, Tiger s'est mis à... Il a plus besoin de cuir. Irina, pourquoi tu... Faut pas dormir dans le frigo, Irina. Attendez. J'ai vu un cœur entre Irina et Fleox là, on est d'accord, je suis pas fou. Ah, je me disais aussi. Je me disais, je suis pas fou, j'ai bien vu quelque chose. Et ben maintenant ils sont dans le même lit, donc ce qui veut dire qu'ils vont prendre moins de place. prendre moins de place, c'est déjà ça, hein. C'est... Non, c'est ça de gagner. C'est tellement méchant. Bon. On pourrait continuer à miner le frigo. On pourrait. Par contre, Fleox, t'es sûr que tu vas bien là? Parce que où t'es, je pense que t'es à moins... Ouais, moins 10 000. T'as que des trucs moches.
faudrait que je trouve quelqu'un pour faire ça en fait. Va manger. Et ensuite il va falloir que je le fasse à la main. Essayer de tout nettoyer de façon à ce que ce soit à peu près présentable. Sa chambre n'est que à -0,3. Ça va, c'est pas comme si c'était horriblement moche non plus. Hein. Donc Irina et Mine tiennent le coup. Hein, elles tiennent le coup. Enfin, elles doivent bosser la nuit normalement. Mais... Hop! Alimente ça s'il te plaît. On a plus d'énergie. Je pense que je vais devoir mettre des panneaux solaires. Je pense que je vais devoir y mettre des panneaux solaires. Je suis pas encore sûr. Allez, ça peut rien. Ça me coûte rien. Enfin, si ça me coûte des trucs, mais. Je veux dire, c'est pas comme si je dépensais. Si je dépense beaucoup. C'est pas la mort. C'est quoi ça? Un cougar femelle. Je suppose que si j'essaie de faire ça. Sont souvent attaqués s'ils blessent. Ok, donc. Saleté de l'animal, non, ça c'est pas grave. Parce que je dois avouer qu'un cougar. Bah, un cougar. Enfin, c'est cool. Ah, c'est cool. Sauvagerie, 80%. Ça veut dire que dès que je vais commencer à essayer de le... Non, c'est quoi ça? Ah non, 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 je voulais pas le chasser, je voulais l'apprivoiser. Bah, 1,8% de chance. Ça va, ça devrait aller. Ce serait... Irina est en train de faire tout. Elle s'occupe de tout dans la colonie maintenant. Ça y est, c'est elle la patronne maintenant. Elle dort aussi, accessoirement elle dort. C'est vrai que c'est con, hein, un dresseur noctambule, ça veut dire que les animaux aussi vont dormir. Putain, vraiment ils dorment à cette heure-là, donc... Ça est quoi, je vais rien dire. C'est connecté ou pas encore là? C'est connecté. Et donc là on devrait stocker... Plus d'énergie, bah voilà, là on est bien, là on est bien. Sculpture bonne. Ici. Sculpture excellente pour notre petit couple, parce qu'il faut pas déconner. Supérieur, ah, qu'est-ce qui est mieux? Supérieur ou excellent? Bon, je m'en fous. C'est bien, c'est joli, c'est ce qui compte. Tu fais quoi là? Ah, tu fais du déplacement d'objets. Donc maintenant tu vas pouvoir tout nettoyer. Je suis désolé de devoir te faire ça, Pile. Je suis vraiment désolé. Mitrailleuse automatique terminée. Mitrailleuse automatique télécathodique. Bon, on va pas faire ça tout de suite. Culture hydroponique. Fusion électrique, non, non, non. Ration de survie, ça peut être utile. Brassage. Vous voyez, en soi, les drogues, c'est mal, vous voyez? Mais en même temps, la bière, c'est cool. Non, c'est pas cool, mais... c'est pas grave, enfin, si, mais moins. Je me justifie comme je veux d'abord, hein. Oh. Moi, pourquoi pas?
ça pète un peu l'immersion de l'abri 101, mais ouais. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors, attendez. Chien. Ok, donc là, il y a une route qui passe comme ça. Et ça me prendrait... un jour 8. Waouh. Oups. Ok, je vais désactiver tout ce bordel. On part de là. Et on va là. Donc là, j'en ai pour un jour 7. Ok, bon, ça c'est pas grave. Utilise le... c'est pas grave. C'est sympa ça comme outil. J'aime bien ça. J'aime bien. Pour planifier ses voyages, c'est bien. Je valide l'idée. Je valide l'idée. Tiens, je vais juste rire. Je vais essayer un truc débile. Hein. Vous allez voir. Je crois que c'est là-bas. Ouais, c'est là. 50 jours, c'est pas si énorme que ça. En prenant les routes, ça va, c'est pas si énorme que ça. Hein. 50 jours, c'est pas... je voyais ça beaucoup plus gros. Par contre, il nous fait passer où, là? Ah, ça y est, on repasse ici. Ah! Non, non, j'avoue que là... non, j'avoue que je valide, hein. C'est une très bonne idée. Par contre, il y a juste ce truc-là que je dois attaquer, donc... peut-être que je le ferai plus tard. Voilà, peut-être. Hein, c'est une bonne idée, ça. Très bon ajout. Très bon ajout de la part du dev. Bon, je peux comprendre. T'as quelques problèmes de vêtements. Bah, tu sais quoi? T'as une veste médiocre ici. Ce sera déjà mieux que rien. Ouais. Bon, ok. Il y a un truc décrit après. Mais je sais pas ce que c'est. Bon, on va se mettre à faire les pantalons. Pas de soucis. Mine, tu as quoi toi en fait? Juste comme ça. Ah, t'es à poil. Oups. Oups. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Oups. Ah, il fait ça en cuir de cochon. Alors, je sais pas, mais un t-shirt slash gilet en cuir de cochon, ça doit être un petit peu désagréable à porter, je pense. Hein. Rina, je vais juste te demander de faire un truc. Tu fais quoi en fait là? Je t'avais pas demandé de dressage en premier. Elle s'est ratée ou elle a jamais fait? En tout cas, elle se met à déplacer des objets, donc ça veut dire que... c'est Irina. C'est-à-dire qu'elle est à sa plus basse priorité. Ça va, Pyle? Ça va? En train d'observer un meurtre actuellement. Ah, c'est peut-être parce que je prends des animaux qui viennent d'être bouffés. Hein. Oh, non, non, c'est rien. Est-ce que tu peux juste t'occuper? Aucune nourriture n'est utilisable. Ina, est-ce que tu peux juste... non, c'est pas ça que je veux. Dépecer l'animal. Est-ce que c'est pour ça que tu l'avais pas fait? Et apprivoiser cette cougar. Non, t'en as eu marre. Je peux pas cliquer dessus tout le temps.
Oh, je pensais pas que ça allait être aussi facile en fait. Je voyais pas du tout ça aussi facile. Ok. Tiger a tellement rien à faire qu'il se met à nettoyer la base. Ça vous voyez. C'est signe qu'une colonie va mal. C'est-à-dire que je leur donne pas assez de trucs à faire. Tourelle improvisée. Ça devrait suffire pour me défendre, pour le moment. Par contre, faut que je leur empêche, je les empêche d'avoir des coins où ils peuvent se planquer. Non, là je vais garder ça. Et je vais mettre des murs en bois ici. Ensuite détruire ces deux trucs là. Et miner ça. Le but c'est qu'ils aient pas de petits renfoncements où ils peuvent se planquer. C'est le principe, enfin, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc sur cette petite préparation, et donc ces deux nouveaux colons dans cet épisode, enfin, Vince, c'était l'épisode d'avant. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo !